Yon lot fwa go, bonjou, bonsoir tout moun, merci pou fidelite nou avec ekip Mombad Media nan la, depi Mombad de Police. Se yon plaisir pou nou rejoindre pou yon lot video. Si se premier fwa visite nou information nou partage ou interesse ou, pa bliye abonne avec Mombad Media nan, et puis ouvri chaîne notification. Sa permet ou fè pati ekip notification Mombad Media nan la. Bien nou pa pèdi tan, nap commence. Cool, yeah. N'a pas entré dans la ville Gonaïve hier, j'en s'était annoncé, puis le monde était prend disposition, il y a regardé et même suivre installation nouveau délégué départemental la Tibonitlan, ancien commissaire gouvernement, maître Enoch Genégenélus. Eh bien, installation ça n'a pas arrivé faite, Jacques s'était annoncé, à cause d'une personnalité qui était supposée venir faire cérémonie ça, pas de présent dans la ville là. C'est dans la ville Port-de-Paix qui est donc pas de gain disposition qui était complètement pour ça été faite. Mais eh bien, cérémonie ça, les renvoyer pour le fait demain mercredi, mais pas gain l'heure qui baille, c'est capable dans mi-temps-journée, ou bien après-midi, il a prévu installer monsieur Enoch Genélus, qui lui-même remplacé dans tête de délégation à Tibonitlan, monsieur Jean Ostéa Mizial, qui lui-même abandonné, qui joint dans révocation. Révocation, ça a venu quelques jours après gros incident qui était éclaté dans la ville de Gonaïve, côté Polda, et petit mais guerrier était plein en balle et gagné l'autre monde qui était blessé. Dans incident qui est passé dans pompe gasoline qui s'est propriété délégué la Tibonite là. N'apporter dans l'autre point de domine actualité en ministre intégré à collectivité territoriale là au défis Bernadel qui t'a répondre question journaliste sur sécurité pays mais ça fait qu'on est pas gain question dictature dans pays agent en pile monde veut faire quoi ça il parle tout sur plusieurs décrets président apprend en pile monde considérer décret ça c'est des décrets illégaux et bien ministre défend le gouvernement pour dire que tout décret ça rentrer dans norme institution l'état ministre Odin Fils Benadel a fini pour le frère connaître que président mandat président à bout 7 février 2022 li voye jeter causé monde qui a parlé sur article application article 134-2 constitution qui t'a dit mandat président bout 7 février 2021 qui bout déjà 7 février 2021 et bien les mêmes dit que il aurait été quelques mois pour passer sous tête dans tête nation. Nous parler vite dans les déclarations ministre intérieur collectivité territoriale là au fils Bernadel. Ça veut dire que 2021 n'a pas été pour comme année électorale électorale pour l'élection. Il faut qu'il y ait le renouvellement du personnel politique mon cher. Aussi simple que possible. Vous alliez oui. Il faut qu'il y ait un renouvellement personnel politique dans le pays. Et via les élections. Vous d'accord avec moi? Moi, je suis démocrate, mais je crois dans l'élection. Et je m'a préparé moi-même parce que mon chef, un parti politique proche. Vous d'accord avec moi? Et le parti, je prépare d'être ensemble pour le chantage haïtien. Le parti se prépare pour aller aux élections, aussi simple que possible. Pourquoi, comme exemple, ministre du gouvernement a été vu, le président, c'est pas un monde de bonne vie, on a arrêté le juge. Qui juge va l'arrêter, monsieur Guel? Ah bon? Bon ami qui a fait des ordres d'arrêter lui. Ah mais c'est bon, on ne va pas faire comme ça, non, mais c'est aussi simple que possible. On va lui faire ça. C'est si. Est-ce qu'il a arrêté Miguel, l'ami ou Miguel? Non. Ah mais ok, aussi simple que possible, mais réponse pas. Merci beaucoup. Nous avons un bout de déclaration ministre et intégré à la collectivité territoriale là, où le fils Bernadel qui parlait sur élection, parti politique a préparé, et puis arrestation juge de la Brésil, le fait qu'on est, c'est pas une arrestation illégale, puisque il n'y a pas arrêté dans le tribunal. N'importe dans l'autre point de l'actualité, en ministre justice et sécurité publique, là, lui-même, maître Rockefeller Vincent, installé hier lundi 15 février 2021, monsieur Franz Sébastien Jean-Charles, comme nouveau secrétaire d'État sécurité publique, Franz Sébastien Jean-Charles, remplacé dans Posta, Tacite Toussaint, qui passait 11 mois dans tête de secrétaire d'État. Ministre de justice et sécurité publique, là, maître Rockefeller Vincent, dans intervention, lui, mandé nouveau secrétaire d'État sécurité publique, là, pour mettre tout un dévouement, et puis appliquer, et puis impliquer notre travail, main en main avec toute l'autre institution pour bailler pays à bonjour sécurité. Numéro 1 MJSPA, qui c'est ministère justice et sécurité publique, là, mais Rockefeller Vincent, reconnaître la situation sécurité pays à critique en pile, encourager secrétaire d'État à prendre disposition pour mettre l'ordre à la paix dans pays à. Nous parlons vite autant des déclarations, ministre justice et sécurité publique, là, mais Rockefeller Vincent. Inspecteur général Jean-Charles, du haut de vos expériences
Au recommandement de la police nationale d'Haïti, votre savoir-faire, votre esprit de sacrifice, votre leadership dans les situations de crise ont été largement prouvés. Vous avez répondu positivement à l'appel du chef de l'État et celui du Premier ministre afin d'apporter votre quote-part dans le cadre de l'établissement de climat sécuritaire sûr et stable à un moment où l'autorité de l'État et ses attributions régaliennes sont fortement menacées par les gangs armés et les fossoyeurs de la patrie aveuglés par leurs ambitions inavouables et inavouées. La sécurité publique est un bien commun partagé par tous les citoyens. En ma qualité de ministre de la Justice et de la Sécurité publique, j'attends de vous, monsieur le nouveau secrétaire d'État à la Sécurité publique, un dévouement sans faille et une implantation de la politique sécuritaire du gouvernement. Je fais foi en votre capacité à travailler dans des situations difficiles avec toutes les autres entités étatiques qui jouent un rôle majeur dans l'établissement de la sécurité, plus spécialement la police nationale d'Haïti. L'heure n'est pas à la parole, mais à l'action. À une action forte, concertée, efficace et efficiente, capable d'améliorer rapidement le quotidien de nos concitoyens en mettant fin aux actes de kidnapping et en permettant à l'État de prendre le contrôle des zones dites de non-droit. Vous êtes face à un nouveau défi, il est de taille, mais qui en vaut la peine, celui de se mettre au service de la patrie commune. Le chef de l'État, le chef du gouvernement et moi, votre supérieur hiérarchique immédiat, allons suivre scrupuleusement vos actions en cette période difficile où des forces anti-progrès et anti-démocratiques ne jurent que par l'instabilité et le chaos pour tenter de s'accaparer par la violence le pouvoir du peuple haïtien. L'ordre doit régner dans la cité. Je m'intéresse peu aux manipulés et aux hommes de main. Je veux qu'on attrape les cerveaux, les auteurs intellectuels des actes de brigandage et de déstabilisation. Mettez-vous au travail immédiatement, monsieur le secrétaire d'État. Je vous souhaite rude et fructueuse besogne. Nous avons obtenu déclaration, ministre et justice là, avec sécurité publique là, mettant au Félix Vincent. Nouveau secrétaire d'État, sécurité publique la France, Sébastien Jean-Charles, pour engagement pour mettre capacité la compétence li dans service pays. Secrétaire d'État Jean-Charles, considéré sa cap fait là, et c'est un gros défi que le pral gagne pour le lever. Donc, il a prêté tant, et tout le monde a compté sous lui, et le moins, il a garanti, il a mis compté sous lui, puisque il prend engagement pour le travail, pour permettre les citoyens vivre dans la paix et la tranquillité. Nous parlons vite autant des déclarations. Nouveau secrétaire d'État, sécurité publique, là, M. Franz Sébastien Jean-Charles. Je vous dis d'ores et déjà, M. le Président, M. le Premier ministre, M. le ministre de la Justice, que malgré la pesanteur en responsabilité qu'implique cette mission à moi confiée en ces temps délicats, vos espérances et vos attentes ne seront pas bafouées. Et je vous promets, en respectant vos ordres de route, de m'acquitter de ma tâche avec beaucoup de patriotisme, d'engagement et d'énergie, en mettant en œuvre toutes mes capacités et compétences à la hauteur de ma fierté pour continuer à servir ce pays que nous chérissons tous. En effet, ce choix qui m'honore et fait éveiller en moi le sentiment d'une fierté immense n'est pas fortuit, puisqu'il est, d'après moi, le résultat de longs et minutieux moments d'observation, d'évaluation et d'appréciation de mes actions dans la mise en œuvre des différentes tâches qui m'ont toujours été confiées dans l'exercice de ma profession et de mes fonctions au sein de la police nationale d'Haïti. Ce choix serait aussi la récompense de la rectitude disciplinaire, particulièrement du savoir-faire et du savoir-être d'un homme qui a toujours su se montrer à la hauteur du travail à lui confier et les responsabilités y relatives. Je suis confiant des défis actuels de la situation sécuritaire du pays, caractérisée par la montée de la criminalité et des mouvements de foule de plus en plus violents. C'est pourquoi je vous réitère mon assurance à ne ménager aucun effort pour accomplir les missions qui me sont désormais assignées afin que nos concitoyennes et nos concitoyens retrouvent le goût de vivre dans la paix et la tranquillité si nécessaire au développement économique et social de notre pays. Une fois de plus, merci.
Nous avons des déclarations François-Sébastien Jean-Charles, qui est nouveau secrétaire d'État sécurité publique. Nous avons rappelé que François-Sébastien Jean-Charles remplacé dans le poste à Tacita Toussaint, qui passait 13 mois à diriger le ministère Sila. Et information qui t'a venu jouer nous sur cause arrestation et ancien magistrat Port-au-Prince-Lan Youri Chevry, eh bien gagné un source qui t'a sorti bon côté la police qui fait connait que Youri Chevry pas arrêté pour l'état haïtien. Dominique Ayo arrêté à 14 février 2021 sous frontière haïtienne dominicaine ancien magistrat Port-au-Prince-Lan Ralph Youri Chevry et Chevry yoté meneni hier 15 février à Santo Domingo capitale République dominicaine pour être à interroger et sur plus toujours sur façon que yo arrêté là Ralph Youri Chevry pas arrêté pour compte autorité haïtienne d'après ça une source proche direction centrale la police judiciaire de CPJ fait qu'on est sous ça on l'autre fois encore reconnaître que ancien magistrat Port-au-Prince a été capable de transférer en Haïti au cas où autorité haïtienne t'a rempli formalité qui gagne pour avec question ça selon source qui nous fait confiance Ralph Youri Chevry te gagne un bon côté li un gros quantité l'argent en meni avec deux individus qui te gagne zama accompagné n'a pas rappelé te gagne un avis de recherche qui te décerné contre ancien magistrat Port-au-Prince Ralph Youri Chevry depuis 8 février 2021 c'est DCPJ qui est soupçonné pour association malfaiteur avec l'autre encore 14 février 2021 Ralph Youri Chevry la police dominicaine a te kembeli dans zone d'Arbonne mais faut me dire qu'on note tout qui sorti bon côté réseau cap défendre droit moun dans pays d'Haïti NDDH qui voyait baïa ministre immigration dans pays et dans pays Saint-Domingue pour faire connaître pour accorder avec monsieur Ralph Youri Chevry asile politique puisque il gagne gros persécution captané dans pays d'Haïti n'a pas toujours été dans information yo n'a sorti dans causer arrestation nous pour aller dans département nos pays en côté nous pour joindre correspondant nous Jean-Claude Angefra qui pour informer nous surtout sur dernière information côté directeur exécutif en mouvement paysan Agile du Nord Doudou Pierre Fistil a qualifié président Jovenel Moïse comme criminel qui voulait réinstaller dictature dans le pays d'Haïti pour gérer pouvoir. L'idée MPA a demandé pour tout citoyen haïtien lever campé pour côté carré Jovenel Moïse avec vague répression la fait sous militants qui opposaient à pouvoir lié à la diriger. Plus d'état correspondant nos Jacques Jeffroy depuis le département Nord pays. Mouvement paysan la Kildino MPA par intermédiaire directeur exécutif li Doudou Pierre Fistil continue demandé Jovenel Moïse quitter pouvoir pour peuple capable de soulager et pour empêcher dictature rétablie en Haïti d'après ça lui déclarer leader paysan dénoncé salir les vagues arrestations illégales et arbitraires qu'a fait dans pays a contre opposant régime nan sous point ça lui demandé toute nation continuer lever campé pour forcer monsieur Moïse ra l'école nan palais national là pour permettre une nouvelle équipe vienne diriger une manière pour vrai problème peuple là capable commencer joindre solution Doudou Pierre Fistil d'abord pouvoir qui nous dirige maintenant li pa gen affaire justice li pa gen affaire démocratie soit affaire répression pour consolider pouvoir pour dès ça ou pas derrière barreau moi même penser que capteur dictature Jovenel là son menteur et nous relayons menteur qui a dirigé avec Fouglia même considéré son fasciste à la Hitler deux c'est un criminel assassin parce que normalement monsieur pas gain pitié pour personne d'abord ouais quantité monde qui tombé ça pas regarder c'est l'instinct de sa conservation ça veut dire l'autre monde va exister troisièmement c'est des autres la peine dans l'état folle pillage mauvaise gouvernance ça veut dire pays nous en trouvé dans l'abîme. Qui donc, chaque fois c'est là d'abord, ouais, caractéristique dictateur tout, il y a toujours un coup d'état à fabriquer pour dire, et voilà, mais il fait coup d'état contre eux. Non, il va vrai, non, c'est les ouais, ils font répression. Les ouais, ils prennent des décrets de graines gauche, et on va gagner qui prohibe par la constitution. Numéro 1, mouvement paysan, la Kildinoa, accusé régime PHTK, avec 50e président Haïtia, Jovenel Moïse, comme quoi, il a crasé institution l'état yo et spécialement la Cour cassation qui c'est pigo instance judiciaire pays a nan sans ça li dénoncer décision pouvoir prendre pour voyer nan retraite mettre Wendell Coctello
Ivikel Dabrésil ak Joseph Mécène Jean-Louis ki opposition an désigné comme président provisoire. Depi commune Akildi Nord, département Nord, pays d'Haïti, Jean-Claude Geffroy, Radio Pyramide. Merci en pile Jean-Claude Geffroy, on a retourné dans le département la Tibonite, surtout après déclaration président de la République. Jovenel Moïse t'a fait samedi passé, elle est arrivée dans ville Port-de-Paix, côté de longé droite sur ville Gonaïve, et dans une grosse déclaration, gros point que président Jovenel Moïse a fait, il a demandé pour mon cap boule ville en fond camper, il était pas de sans pas de blessé non, il était longé droite sur mon dans ville Gonaïve. Et bien déclaration ça a soulevé plusieurs réactions, même monde qui a attribué et pointé doit ça c'est à sous et ancien sénateur département la Tibonite là Yuri Latorti que président Jovenel Moïse a fait lui pour voir parti Haïti en action dans commune Gonaïve en fait désir fait qu'on est déclaration président Jovenel Moïse en fait et pas faire ou faire bac c'est un dictateur à Clapérèze il voulait mettre campé dans mitan société haïtienne en fait désir réagit tout sous causé mandat il a fait quoi qui gagne des chefs nous c'est mouvement nous c'est révolutionnaire dans ville Gonaïve en Winter Etienne. Il dit que yo pape fait bac li quoi c'est intimidation y a fait sou yo. Nous parlons vite autant des déclarations Fritz Désir. C'est la dictature, c'est la pérèse, c'est tout ça infernal qui entraîne la société haïtienne, je dis. Nous même, si papa nous, à maman nous, c'est bataille pour que nous ayons un pays prospère, qui c'est Jadis Saline et autres, 86, et bien des jeunes Simon, petits garçons, nous avons fait une grosse bataille pour nous ayons une souveraineté qui était découverte, 87, pour que nous ayons une constitution. Je dis à quand la démocratie en danger, nous-mêmes n'avons pas le choix, faisons debout pour que la dictature partout dans le pays. Combien de monde a un fixe et qui a un mandat dans ces derniers? Non, mandat n'est pas limité. Depuis qu'on a l'opposition, ou bien mandat d'ailleurs. Depuis que ou pas gagné tout ça pour vivre comme citoyen, selon la constitution, ou bien mandat d'ailleurs. Parce que je dis à un pays, ça t'a doué pour vivre dans une situation qui n'est pas qu'à sortir, n'est pas de l'autre côté, ou bien mandat d'ailleurs. Ou pas qu'à manger, ou pas d'éducation, ou pas de route, ou pas d'énergie, ou pas d'environnement, ou pas de l'hôpital. Mais ça, on a l'opposition. Quand on a l'opposition, ou pas le gouvernement démocratique, c'est dictaturé immédiatement tout pour ça, de Madadeo. Moi-même, c'est mon cadre démocratique et Fritz Désir, c'est Haïti en Action qui fait partie de l'opposition. Je fais une promotion pour la démocratie. Je suis toujours entré dans le cadre pacifique. C'est moi ça me croit. Et je suis mouru la donne, et je crois la donne, je suis déterminé la donne. Quand on est Haïtien, là. On est Haïtien. C'est un citoyen haïtien qui a toujours gardé les pays en jeu ou en danger par rapport à Judas Nobayen président, son pays qui est libre, son pays tout le monde fait ça ouvrir. Je dis à l'ancien président a arrêté le juge de cassation, son pays qui est libre. En aucun cas, il y a un individu qui a arrêté le juge de cassation. Et grosse formule, c'est le vieux article 186 de la Constitution qui dit mais comment vous arrêtez un juge de cour de cassation. Pas même besoin de répéter, tout le monde connaît. Vous arrêtez. Là, on dit pour mettre un juge en retraite, c'est le vieux article 177 de la Constitution qui dit encore que ça, depuis le fait, son pays qui est libre, chaque monde fait son vœu, c'est dans le contexte ça. Moun ka fè sa ouvle ya, y a met mandat derrière moun ka fè sa ouvle tout. Mais ça me passe une responsabilité citoyenne pour que la souveraineté retourne dans le pays petit des amis. Non, c'est intimidation. Il n'est pas intimidation, il a exécuté tout. Il a exécuté fracas. Et nous-mêmes, nous sommes toujours dans nos cas respectifs pour fracas pour nous renverser. Et nous avons toujours renversé pacifique. Sinon, ça nous croit et nous avons déterminé dans ça. Nous avons obtenu déclaration Fritz Désir qui s'est porte-voix Haïti en action pour commune Gonaïve qui t'a réagi. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier pour nous abonner avec chaîne là et toujours songer pour activer la cloche là.
les nous la gon vidéo pour capable joindre nous son babiz ap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.